Allez, c'est parti. Black Guy à gauche avec Abel, Ibuki à droite. C'est Garrett qui pilote. Et qui se fait choper sur le dernier hit du combo d'Abel. Et qui met la pression. Qui passe dans le dos mais qui se fait choper. Pas HP. Cancelé par le dragon. Ibuki qui focus une attaque. Abel a l'avantage. Ouais, pour l'instant, on sait que ça peut aller vite. Hein. Ibuki qui va au sol et qui presse. Abel qui s'échappe avec la roulade ex. Il se retrouve déjà dans le coin. Il s'en est déjà sorti. Ça va être dur pour Ibuki là. Il presse beaucoup. Une kick ex. Ah, là, oh, c'est joli ça. Décisif. Premier round remporté par Black Guile. Et là, ils se cherchent, chacun au bout de l'écran. Et ça y est, sur le... C'est parti par Abel. Sur le caravan ex, Abel a pu comboter, du kick, Dragon à la relevée. Oh, qui arrive à faire la chope. Trop top qui va passer. Et ça presse avec les quarts arrière-pieds. Oh, il arrive à toucher le deuxième hit, mais il connecte pas la chope derrière. Oula, cross down, très bien exécuté. Et là, il chope pour punir le coup. Ah ouais, dragon, il y a. Il repunit le même coup avec une chope. Il fait pas HP, mais le deuxième hit ne touche pas. Focus dash arrière le premier, et là, ça se cherche à nouveau. Ibuki qui a l'avantage. Et Ibuki qui presse. Casgard, des chopes. Ou Abel a une bonne défense là sur ce coup-là. Oh là là. Oula, le cross down. Il met la pression là, ouais. Le combo qui enlève là. Et il se remet dans le coin, il s'en ressort avec la chope. Et il prend le dragon X sur la relève dans son pressing. Un round partout. Il punit les kunai en l'air par le wiki. C'est un seul hit. Il ramène de nouveau dans le coin. Il se fait choper. Wow, et combo d'Ibuki qui met la pression dans le coin, cross-up et combo qui suit. C'est trop. Et voilà, la gars qui arrive à esquiver le pressing et qui s'échappe. Abel, il met Ibuki dans le coin mais qui subit la focus. Ouh, c'est chaud cette fin de match. Et le premier match est pour Ibuki. Piloté, je rappelle, par Garrett. Deux rounds à 1. Je rappelle que chaque round a son importance. Abel a commencé le pressing. Le deux match commence, Abel presse. Combo raté, plus tard la chope. Oula, bas HP. Abel chope spé. Et remet Ibuki dans le coin. Et ça presse. Ah, Dragon X à la relevée. Il trade. Et voilà, il fait bas HP. Et il rattrape avec le dragon. Et voilà, le Mythic X qui clôture le premier round de ce deuxième match. La chope. Ça t'échappe. Ah, le coup n'est pas passé sur Mythic qui était accroupi. Très beau pressing. Le Mythic qui se rapproche avec des dash avant. Abel qui se presse pas. Ah non, qui reste dans le coin, qui zone son espace. Il va éviter de se faire presser. Très belle raison, parce qu'Ibuki arrive à approcher et à choper. On va HP qu'un seul hit, il soulève pas. Oh voilà. Abel focus le premier hit dans son caravan X, il combo derrière. Ah, là, là. Ah dommage. Oula, les sauts ne sont pas permis. Très belle chose. Attention. Joli dash arrière, mais combo quand même. Ça devient dur. Et il se cherche. Il n'y a plus beaucoup de vie. La moindre erreur sera décisive. Il se cherche. Parce que là où est le premier qui perd sa garde, ah là là, c'est Garrett. Black Guy qui s'impose 2 à 0 dans le deuxième match. Bah, c'est la belle. Voilà, le troisième match, le match décisif.
Abel qui a bien commencé. Qui met pas HP. Oh, qui touche sur le deuxième hit du caravan. Et Luki a déjà perdu la moitié de sa vie. Ouais, pratiquement, ça fait mal. Hein. Le cross-up très bien évité par Abel. Elle pas HP qui connecte. Il met la pression derrière. Là, la Yette, c'est le bull kick pour continuer à presser. Chop. Ah, la chop qui enlève. Ah, il met la pression. Oh, chop spray raté. Le kick, on profite pour la punir. Il veut faire un setup, mais il s'esquive, Mario, avec, avec sa roulade X. Mais là, ça se passe à distance. Il chope. Et il s'impose dans ce premier round. Complètement géré par Black Guy. Il vous quitte à cette distance, attaque. Lui qui met le premier hit, mais Abel qui réplique. Lui qui presse. Son pressing cassé, là, c'est le wheel kick qui casse la tentative de focus, je pense. Abel qui esquive bien les pressings sur les relevés. Hein. Il a travaillé son versus. Hein. Oh là là, ah, il chope X. Après son backlash, il roule. Oh la vache, putain, j'ai rien compris là. Là, ça fait un truc chelou. Et Luki qui sont grands. Qui se laisse pas faire et qui presse, malgré le fait qu'elle soit dans le coin. Abel n'a pas pu punir le dragon. L'adversaire se regarde. Ouais, à nouveau, ouais. Ils savent que chaque round est décisif là pour le goal average. Il faut pas se rater, quoi. Et voilà. Luki remet les compteurs à zéro. Un round partout. Dans ce match décisif. Ça commence par une chop du Luki. Ouais. Et il va le réplique direct, chop spé, qui fait plus de dégâts bien sûr. Allez, Luki qui maintient la distance avec les kunai. Pendant temps ça passe. Et là c'est un combo. Oh, combo loupé, c'est dommage. Ah, pareil pour Abel. Luki qui punit tout de suite. Le cross-up. Elle rate le combo. Oh là là. Abel qui punit avec une simple chop. Bah, HP de 8, focus cancellé. Voilà, ça cherche, ils ont autant de vie l'un que l'autre. Un peu moins maintenant. Avec Luki, il met la pression. Voilà, ça se cherche. Luki qui a l'avantage de la vie là pour le coup. Ouais, complètement. Mais elle n'a pas l'avantage des bas. En effet. Elle est presque pas une perte entière. Voilà, ça s'est vraiment tendu. Roulade. Assez chaud. Là, ils savent pas trop comment ils vont se rapprocher. Oh là 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 là